Un courant électrique de 150 ampères traverse un conducteur rectiligne. Calcule l'intensité du champ magnétique à 0,2 mètres du conducteur. Voici les données. L'intensité I du courant électrique est de 150 ampères. Ce point P se trouve à la distance R du conducteur et R vaut 0,2 mètres. Ce que nous cherchons, c'est l'intensité du champ magnétique, donc grand B, en ce point P. Intensité que nous exprimons en Tesla. Et pour trouver cette intensité du champ magnétique, nous nous servons de la formule de Biot-Savart, dans laquelle nous mettons pour perméabilité celle du vide ou de l'air, c'est-à-dire 4 fois pi fois 10 exposant moins 7 tesla mètre sur ampère. Nous savons que B est égal à mu 0 fois I sur 2 pi r. Donc, nous remplaçons le mu par 4 pi fois 10 exposant moins 7, le I par 150 et le r par 0,2. Ce qui nous mène vers ce calcul-là. Ce calcul-là peut vite être effectué sans calculette. Ici, nous voyons 4 qui se simplifie avec ce 2 fois ce 2. Le pi se simplifie aussi. Il nous reste donc 150 fois 10 exposant moins 7 divisé par 0,1. Ce qui donne 1500 fois 10 exposant moins 7 ou encore 1,5 fois 10 exposant moins 4. Donc la réponse finale à la question posée est l'intensité du champ magnétique en ce point P vaut 1,5 fois 10 exposant moins 4 Tesla.